Bonjour à tous et à toutes, c'est Magic VFX et aujourd'hui on se retrouve pour une info très 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 importante. Il s'est passé quelque chose de grave récemment sur la chaîne et c'est pour ça que je tiens à vous y informer. Je me suis fait pirater mon compte. Alors ce que j'entends par pirater, en fait c'est juste qu'on a trouvé le code de mon compte YouTube et au passage Gmail d'ailleurs. Et ce qui est grave là-dedans, c'est que quelqu'un a pris possession de ma chaîne comme s'il s'agissait de la sienne et s'est amusé à faire n'importe quoi avec. N'importe quoi, c'est-à-dire m'abonner à des chaînes à lesquelles j'étais pas du tout abonné à la base et aussi à supprimer toutes mes vidéos. De ce fait, je suis obligé de les remettre en ligne. Enfin, du moins, je me sens obligé parce que je vais pas avoir envie de refaire tous les tutos, ça va franchement être beaucoup trop long. Enfin, vous doutez bien, j'avais quand même 64 vidéos à la base, enfin 60 et quelques là, donc ça va pas être possible de tout refaire. Il va bien falloir que je les remette en ligne, c'est mieux, d'autant plus que je les avais stockées. Et que donc si je ne le fais pas, on va me demander de refaire les tutos les plus basiques tels que l'incrustation sur fond vert avec iMovie, etc. Donc forcément, je suis bien obligé de remettre les tutos en ligne. Ce qui va sans doute arriver, c'est que vous allez avoir votre barre de notification YouTube, c'est-à-dire votre, la colonne abonnement qui vous donne toutes les vidéos qui sont sorties récemment, risque d'être remplie de mes vidéos, et franchement, je m'en excuse d'avance, je vous avertis parce que j'ai perdu des abonnés à cause de ça, je m'en suis rendu compte, et effectivement, franchement, je m'excuse pour ça, mais j'ai pas le choix, je dois remettre mes vidéos en ligne, et donc ça va forcément remplir votre barre. Si certains veulent se désabonner pour peut-être se réabonner plus tard ou même ne pas se réabonner parce que ça les saoule, je peux comprendre, c'est pas un problème. Les tutos du coup vont aussi mettre beaucoup de temps à revenir, voilà, parce que de base j'avais pas beaucoup de temps pour faire des tutos, hein, vous avez vu que le dernier date d'il y a très longtemps. Mais alors, en plus de ça, maintenant avec ce problème qui se rajoute, les tutos vont vraiment pas revenir vite, j'en suis désolé. C'est les anciens tutos qui vont revenir, les nouveaux tutos, bon bah c'est retardé. Voilà, encore désolé pour ça. Et donc aussi, je voudrais aussi vous demander un service. Ça serait éventuellement donc de partager, de liker, de commenter mes vidéos. Parce que voilà, j'ai perdu toutes mes vues. J'aimerais bien en récupérer le plus possible. Voilà. Donc n'hésitez pas à jeter vraiment des coups d'œil sur ma chaîne. Comme ça vous permettra aussi de voir mes anciennes vidéos. Voilà, que vous n'avez pas forcément vues. Pour certains, il y en a certains qui ont fait des découvertes quand j'ai republié mes vidéos. Enfin voilà. Et je m'excuse aussi si la chaîne du coup n'est pas très présentable. J'avoue que c'est pas très joli. Hein. Franchement, c'est un peu bordélique. Il n'y a plus de miniature, il n'y a plus d'annotations. Il manque des liens dans les descriptions. Voilà, je sais. Je me charge de tout ça au plus vite. Et une fois que ça sera fait, je pourrai songer à faire de nouveaux tutos. Voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour tout ça. En tout cas, moi j'ai été catastrophé quand j'ai vu ce qui s'est passé sur ma chaîne. Et voilà, je vais essayer de régler le problème et après je vais essayer de faire de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous dis à plus et merci pour ceux qui continuent de me suivre.